Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre en fait un jeu qui s'appelle Burning Road, un jeu qui était sorti sur PlayStation 1 en 96. Et puis, c'était un jeu pur arcade, mais vraiment 100% arcade, puisque en fait, c'est un jeu qui n'a que 3 circuits et puis 4 bagnoles, un peu comme Daytona USA hein, sur Saturn et arcade. D'ailleurs, il s'en inspire quand même pas mal, ne serait-ce que dans les musiques, voilà, la rapidité, et puis le gameplay, hein, je trouve que c'est vraiment du Daytona. Graphiquement, donc on est sur bien sûr la concurrente à la Saturn, la PlayStation, et on est un peu plus fluide que du Daytona Saturn, mais par contre on a un peu plus la sensation d'être enfermé sur les pistes. Enfin, vous allez voir, c'est un peu bizarre. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc hop, je joue avec le volant Madcast, c'est le volant officiel PlayStation. Je joue sans le pédalier, donc uniquement avec les boutons, parce que j'ai pas la place là de mettre un pédalier. Je me suis assis sur mon pouf, c'est un peu un gameplay à l'arrache, mais c'est pour vous montrer aussi bah voilà comment ça se passe quand on joue, hein, tout simplement. Et puis bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des volants qui sont mieux installés que ça, mais voilà, c'est vraiment le truc, le petit délire que je voulais me taper cet après-midi, surtout pour vous faire connaître ce jeu aussi. Donc le volant, c'est celui-ci. Hop, c'est le Madcast avec pédalier officiel Sony, voilà. Donc celui-ci, je l'ai depuis un petit moment. Il est vraiment pas top. Je préfère largement mon volant Saturne. D'ailleurs, je vous ferai une prochaine vidéo sur Daytona USA sur la Saturne. Parce que déjà, on entend le bruit des ressorts quand on tourne. Enfin, voilà. Donc là, je l'ai fixé un petit peu à l'arrache sur un tabouret. J'ai mis une petite cravate là pour hop, pour qu'il bouge pas, qu'il se casse pas pendant la vidéo. Mais ça va, je suis pas trop mal. Donc vous allez voir au niveau du jeu en lui-même. Alors, je sais pas si ça sera un peu fort ou pas. J'espère pas. Au niveau du jeu en lui-même, c'est un jeu qui est excessivement dur, mais vraiment très dur, puisque là on est vraiment bah, comme si on était sur une borne, et puis voilà. C'est quand même pas évident. Donc trois modes de jeu, donc practice. Donc practice, on aura, comment vous dire, c'est le pour faire une course, c'est un peu comme un time attack, sauf qu'il y a les concurrents, donc c'est vraiment course par course. Championship, donc on va faire les trois circuits l'un après l'autre. On peut linker deux télé, deux PlayStation et deux jeux pour jouer comme une borne Sega Rally. Donc en twin, donc ça c'est excellent. Et puis bien sûr les options, donc on peut régler le son, etc. Donc là je vais vous montrer les trois courses. Les trois courses en fait en mode practice. Donc une course beginner, qui est pas si beginner que ça, une course advanced et expert. Allez, on va se prendre la beginner. Donc on valide avec les petits boutons qui sont sur le volant. 4 bagnoles, donc je vous disais. Hop, on a un pick-up et puis une espèce de dragster. Bon, moi je prends la bleue, je prends celle-ci. Ah, de toute façon, apparemment, c'est celle qui est le plus facile à maîtriser, mais c'est la catastrophe, vous allez voir. Donc c'est un jeu qui fait les bras, hein, surtout avec ce volant, pas besoin de faire de séances de sport, hein, c'est bien assez physique. Mais franchement, il est sympa. Il est sympa, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps, et puis c'était juste avant d'avoir la Saturn, donc d'avoir Daytona. Je voulais vraiment un jeu à la Daytona, et puis j'ai trouvé celui-ci. C'est pas mal. Hop, allez, on accélère avec le bouton du milieu. Donc on a plusieurs vues, hein. Oh putain, ça commence. On a 6 vues en tout, donc une vue cockpit aussi. Bon, là, je vous la montre, de toute façon, c'est pas grave. Hop, une vue cockpit, donc assez bien faite. Donc vous voyez, c'est très arcade, hein, du dérapage à gogo. Les musiques arcade qui vont bien. Et par contre, vous allez voir qu'au niveau de la difficulté, c'est juste un truc de fou pour rattraper les concurrents. Alors bien sûr, comme tous les jeux d'arcade, il y a des time extensions, comme un bon vieux Sega Rally, ou un Daytona. Hop. Alors faut bien freiner en fait dans les virages. Alors, vous allez m'entendre gueuler un petit peu 2-3 fois, hein, c'est normal ça. Comme ça vous voyez au moins quand je joue, comment je suis. Je vais remettre la... Oh putain, attends, je vais remettre... Voilà. Ah la normale, il y a des bidons au milieu de la route, hein, ça c'est tout à fait normal. Hein. Autant... ouais, voilà. Bon, de toute façon, après le gameplay, c'est plus pour vous montrer vraiment voilà comment on tourne le jeu. Alors, il est assez fluide, hein. Je trouve qu'il est fluide. J'ai joué à Daytona Saturn avant-hier avec le volant Saturn, et il est quand même un peu plus fluide celui-ci. Mais je trouve qu'on a plus, comme on est en fait entre deux murs, on a plus la sensation d'être enfermé. C'est un peu bizarre comme sensation. Hop, oh purée. Alors, on freine bien. Donc là. La coupe grise devant, c'est le concurrent à rattraper. Oh, putain. Après, c'est dommage, j'aurais bien voulu du gameplay un peu à la Ridge Racer, à faire des bons petits dérapages, ça aurait été cool.
Ouais. Hop. Allez, pousse-toi, toi. Oh, purée. Là, on se retrouve sur la magnifique muraille de Chine qui est en Chine. Hop. Alors, le volant, je vous le dis, il est vraiment, vraiment pas top. Je sais pas si vous avez vu la course qu'il y a, en fait, pour que je puisse arriver à tourner. Enfin, c'est juste un truc de fou. Allez, mais barrez-vous, purée. Alors, il y a quand même des bonnes sensations. Hein. J'aime beaucoup. J'ai un petit peu plus de sensations quand même sur le Daytona Saturn avec le vol. Mais ça va, franchement, c'est un jeu que je vous conseille si vous arrivez à le trouver en fait en occasion. Encore une fois, il faut le prendre vraiment dans l'optique où on est loin d'un Gran Turismo ou d'autre chose. C'est pas un jeu, c'est un jeu d'arcade, un pur arcade. Voilà, c'était vraiment pour vous faire connaître, pour vous montrer aussi en condition un petit peu. Bah voilà, un petit peu un gameplay à l'arrache, mais c'est des gameplays que j'aime bien partager avec vous en fait parce que. Déjà, j'aime pas. J'aime bien qu'en fait, quand on voit un peu vraiment les conditions en fait, du mec qui joue en fait, sur la télé CRT et tout ça. Enfin, moi, c'est mon truc. Hein. C'est mon truc. Voilà, il va me rester 20 secondes pour passer le prochain checkpoint. Vous voyez, avec les hélicos et tout, c'est cool, hein, ça fait. C'est sympa quand même. Mais j'aime bien, je fais le gars qui maîtrise le truc, mais je vous dis pas comment je galère avec le volant et tout. Donc ça, c'était la première course, donc j'ai fini 6ème. À savoir que là, je suis en niveau easy hein, pour le jeu, pour vous montrer. Donc on a un petit replay après, bah ça, on s'en bat les steaks. Ah non, j'ai mis... attendez. Alors la musique, ça me fait vachement penser, je sais pas si vous vous rappelez de la musique de Daytona. Mais là, je vous ferai une prochaine vidéo avec Daytona. Sur Saturn, c'est... Voilà, les musiques, bon, Et elle reste pas autant dans la tête que la musique de Daytona, que j'adore vraiment. Allez, on va faire la deuxième course, donc practice. Hop, advanced, puis on va changer de voiture, comme ça vous verrez les autres. On va prendre, alors, accélération, donc 3, 2, par contre au niveau de... Ah ouais, d'accord, j'avais la voiture qui avait la meilleure prise en main, ma purée. Allez, on va prendre un pick-up. Ça me fait délirer cette musique. Ça me fait délirer. Alors ce volant, il a un petit levier pour passer les vitesses. Hein, mais bon, moi je joue en automatique, donc... Là, on va pouvoir modifier la vue tout de suite. Allez, on va y aller mollo. Hop! Oh purée, ouais d'accord. Si la prise en main ça va en fait, elle est un peu plus lourde que l'autre, elle part un peu moins en couille dans les virages. Mais c'est toujours du sport, hein, je vous le dis. Ouais, bah mettez de la neige comme ça pour glisser, c'est vrai que c'est... Il n'y a aucun problème. Non. Ouais, c'est ça un peu qui est dommage, c'est qu'en fait comme on se tape tous les murs en fait lors des sauts, ben du coup on perd les positions tout de suite et puis après va rattraper le premier. Que nenni. Hop, allez, on freine. Ah, j'espère juste que le son il va être pas trop mal pour que vous puissiez entendre les musiques. Je vais pas refaire 15 000 fois la vidéo, ça serait cool. Ah, c'est quand même excellent avec le volant, hein. Y a pas à dire. J'aimerais bien me payer un play seat, enfin un truc, le siège là, qui font là pour jouer avec. Le truc baquet, mais ça coûte un peu la peau du cul, donc je reste avec mon pouf. Oh putain.
Ah, les musiques sont cool, hein. Vraiment. C'est sympa. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, hein, pour au niveau du de la fluidité du jeu et tout. Au niveau des du graphisme, on s'en bat un peu les steaks, hein, puisqu'on est sur la première PlayStation, je vous rappelle que c'est un jeu d'arcade. Mais au niveau de la fluidité, je trouve qu'il est quand même assez fluide. Il y a moins de clipping par rapport à... Je sais pas si c'est pareil, si vous vous souvenez de la version Daytona en version Saturn. Oh, les décors, ils mettaient 15 ans à s'afficher, c'est un truc de fou. Là, c'est... Ça met pas 15 ans, ça met 2 ans. C'est un peu mieux. Alors c'est un peu con, il n'y a rien à débloquer. Ils auraient pu faire des trucs où on peut débloquer des bagnoles, au moins des couleurs des voitures. Comme c'est un jeu qui n'est pas sorti sur borne, voilà, ils auraient pu, qui est sorti exclusivement en PlayStation, ils auraient pu faire un truc sympa. Donc toujours 6ème avec le pick-up. Donc là on va se faire la dernière course et puis avec on va prendre le dragster pour la fin. Hop, play again, no, on va pas faire la même connerie. Ok. Burning Road. Allez, expert, bah ouais, tant qu'à faire. J'hésite. Ouais, si, allez, on va faire les fous. Accélération 262, ouais, donc elle va aller un peu plus vite, mais par contre, au niveau des contrôles, ça se trouve, j'y arriverai mieux, ça veut rien dire. Voilà, donc hop, je vous remonte la boîte, Burning Road, si vous le trouvez, c'est un jeu que j'avais payé 10€ à peu près d'occasion, donc il est nickel, avec notice, donc c'est cool, je vous le conseille. Mais après avec la manette, c'est pas mal aussi, hein. J'avais essayé, c'est cool, hein. C'est cool. Allez, on va se faire, merde, en vue intérieure pour la dernière, je sais pas si je vais y arriver. Ah, la pluie, ça c'est cool. Autant rajouter un petit peu d'eau sur la piste, hein, tant qu'à faire. Oh, il y a même des éclairs. Oh, purée. Alors du coup, vous me direz dans les commentaires si vous jouez aussi avec un volant. Alors je parle pas des PS, enfin PS4 et Xbox, tout ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des volants pour les jeux normal. Mais pour vos anciennes consoles, si vous avez des volants sur la Saturn, si vous avez le volant Saturn, dont je vous ferai un gameplay prochainement. Si vous avez sur PlayStation 2, moi j'aimerais bien un volant sur la PlayStation 2 aussi. Je sais que celui-ci était compatible avec GT3 sur PlayStation 2. On peut le brancher dessus, mais il est tellement pourri comme volant que... Non, je préfère jouer à la manette. Et puis si vous avez des petites installations sympas, hein, pour le volant chez vous avec des sièges baquets et tout, ça peut être sympa. D'ailleurs j'aimerais bien, si vous pouvez faire 2-3 petites vidéos comme ça peut être cool aussi. Hein. Alors je me répète, hein, mais c'est filmé un petit peu à l'arrache. Mais j'aime bien, j'aime vraiment vous montrer en fait en réel ce qui se passe. On sait tous que les jeux à l'époque, sur télé, ils étaient. Les télés d'époque c'était comme ça. Et puis qu'avec les émulateurs et tout sur les PC, c'est quand même plus joli. C'est plus lissé, mais moi je suis un peu un puriste malgré tout. Et puis, j'aime quand même bien ma petite console en live comme ça. C'est cool. C'est cool. Chacun son kiff, comme on dit. Ouais, je suis 8ème, hein, c'est une bonne place, je trouve. Ah, mais il est vraiment trop dur, c'est un truc de fou. Même Daytona quand même, il est quand même moins difficile, hein. Il est moins punitif dans les virages et tout. Après c'est pareil, c'est l'entraînement, faut connaître par cœur, mais le peu de tests que j'ai lu sur ce jeu, tout le monde, enfin voilà, les gars ils disent que c'est vraiment pas facile, et puis que voilà. Il est fun, hein, il est certes hyper accessible
Mais voilà, on a vraiment de bonnes sensations, mais au niveau des difficultés, ils ont juste craqué du slip, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En plus, j'ai la bagnole la plus rapide, hein, donc c'est chier, quoi. En fait, ils auraient pas dû mettre de difficulté, de niveau de difficulté, ils auraient dû laisser en... De laisser un seul niveau de difficulté, et puis voilà, quoi. Ça aurait été cool aussi. Ah non! Ah bah voilà, non mais, c'est qui le patron là? Ouais bah voilà, je vais dire avec ça, si je finis pas 8ème. Bon bah je crois que ça sent la fin hein, pour moi. Voilà, j'ai fini 8ème. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo live gameplay à l'arrache à l'ancienne vous a plu. Et puis bah, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à me poser un petit like, à me dire ce que vous en pensez, si vous connaissiez le jeu aussi. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye!